Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons toujours vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où le général Mamadi Doumbouya propose une nouvelle constitution. La Guinée va bientôt aborder un moment important de sa vie sous la transition. Les militaires à la tête du pays annoncent un projet de changement de constitution. La loi fondamentale en Guinée pourrait bientôt changer. Le général Doumbouya et les autorités de la transition projettent une nouvelle constitution. Le 29 juillet 2024, les militaires à la tête du pays ont dévoilé un avant-projet de nouvelle constitution. C'est lors d'une cérémonie au siège du Conseil national de la transition. Au rendez-vous, qui a vu la présence des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique, des partis politiques d'acteurs de la société civile. Apprend-on à Réveil d'Afrique. Le texte doit être soumis au référendum avant la fin de l'année, indique l'informateur de Réveil d'Afrique sur place. Le général Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs proposent entre autres une limitation des mandats présidentiels à 2, l'instauration d'un système de parrainage pour l'élection présidentielle. L'avant-projet de loi suggère également un âge minimum de 35 ans et de 80 ans maximum pour se présenter. Les militaires proposent aussi la mise en place d'un nouveau parlement à 2 chambres, dont l'Assemblée nationale et le Sénat. L'avant-projet de nouvelle constitution doit être enrichi au cours des sessions de travail à organiser, fait savoir l'informateur des Réveils d'Afrique à Conakry. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez la vidéo si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.